Welcome, everybody, back to the Siegel Talks here at the Graduate Center, CUNY, the City University of New York. It's a nicer day in New York today than the days before, where it was cold and rainy. It even snowed last week. And today we have, as always, a representative from the global theater world, someone who his work has been strongly connected to social change, to the idea that theater has a place in society, that it is there to reflect, to make us think, to give meaning. And Guy Régis Jr. from Haiti, who also lives in France and whoops between the world, is here today with us. And the translator is the great Judith Miller from NYU, from the French department, and great translator who also happened to translate Guy's plays, but many others we have also done at the Siegel. So both of you, thank you for coming. We think it is a time where we have to listen closely to what artists have to say. In our case, theater artists, this is our field. This is where we work. Artists have been on the right side of history and the right side of social progress. And looking back, one wonders why didn't never anybody listen to what the artists had to say. Countries would have saved a lot of trouble, a lot of pain, and a lot of sorrows. And now again, we are in a real crisis, that often in theater terms, you know, brings the solution or is the turning point, but we really do not know where we are exactly. So it is good to hear from colleagues, from artists we admire, who we think are leaders in their field. So Guy, where are you right now? Judith will translate my questions and also the answers. So, où est-ce que tu es maintenant, Guy? Je suis sur l'île de Léron, tout près de La Rochelle. C'est une petite île. Normalement, en cette période où il devrait y avoir beaucoup de gens. Mais je suis ici en résidence d'écriture depuis mi-février et ma résidence devait finir en mai. Merci. Let us translate. One second. So Guy is in France now. He's on the Île d'Oléron, which is outside of La Rochelle, which should be receiving a lot of people about now because it's time for vacation, but that's not happening. He's been there since February and he's in a writing residency that goes through the end of May. But of course, he's also not able to leave either. So Guy, you are normally a wanderer between the two worlds of Haiti and France. How do you feel at the moment? Et normalement, donc, tu voyages beaucoup, tu es un nomadisme entre la France et Haïti. Comment tu te sens maintenant? Oh, moi, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est complètement scandaleux. Donc, je me sens complètement scandalisé par ce qui se passe. He thinks that what's happening now is scandalous, and so he feels very frustrated in a state of scandal himself because of what's going on. J'ai l'impression d'être de vivre dans une dictature acceptée. So he feels like he's living in some kind of a dictatorship, in fact. Et c'est très dur pour de vivre cette dictature-là qu'on accepte avec nos enfants et la génération d'après, c'est-à-dire c'est affreux qu'ils aient à vivre ça avec nous. And it's particularly hard to live this dictatorship right now with thinking about our children and thinking about generations that are going to come after us. Je vais m'expliquer, il n'y a pas longtemps, des jeunes on sont sortis de par le monde pour nous mettre dans les yeux, aux oreilles, une situation désastreuse pour la planète. And young people have been trying to tell us all across the world for a number of years now that we're in a disastrous moment for the planet. Cet événement-là, c'était un événement capital et sur lequel on devrait tous se mettre ensemble pour dire arrêtons tout. And this is a moment in which we should all be together to say let's stop everything now. On ne s'est pas arrêté parce que c'était des jeunes. Par contre, on accepte une dictature d'un virus.
but nothing got stopped in order to take a look at the situation of the planet. And what has stopped us is a little virus. Et c'est la même chose que je vis à mon niveau en Haïti. And it's actually what I'm living in my own level and my own in my own particular way in Haiti. En Haïti, je dirige un festival qui aujourd'hui va avoir 17 ans. And so I'm running a festival that in Haiti, which is 17 years old now. Et cette année, on allait fêter les 10 ans du tremblement de terre. On allait faire des spectacles autour des 10 ans du tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'était en 2010. And this year, we were going to celebrate and recognize, memorialize the 10 years after the terrible, terrible earthquake that happened in 2010. Ça fait 10 ans que je dirige ce festival et chaque année, je suis toujours dans l'impossibilité de le faire parce qu'il y a des situations politiques, il y a la violence partout qui m'empêche chaque année de le faire. And he's run this festival for 10 years and for 10 years he's wanted to do this kind of memorialization of the earthquake and every year he hasn't been able to for political reasons. De septembre 2019 à novembre 2019, Haïti était en lockdown. From September 2019 until when? Jusqu'au novembre, Haiti was in lockdown. So this last fall. Et en fait, on a appris au monde ce que c'était que le lockdown. So we already were teaching the world what a lockdown was. On l'a vécu avant. We lived it before everybody else. Et personne n'a parlé, enfin, on n'en a pas parlé beaucoup dans le monde. But nobody talked about it. Et cette situation-là que vit Haïti, ça fait longtemps qu'on vit cette situation. And we're living in a kind of situation of lockdown for a very long time, in fact. Je n'ai jamais connu une année scolaire normale. In my life, I've never known a normal school year. Il y a toujours 3 mois, 4 mois, 2 mois où l'école est fermée parce que la rue est impraticable. There've always been 2 months, 3 months, 4 months when school had to close because you couldn't go out into the streets. C'est pas des raisons politiques, c'est des ouragans. If it's not political reasons, it's the hurricanes that are hitting us. Et je trouve que la dernière, pour en revenir à une maladie, et la dernière catastrophe qu'on a vécue. And the last catastrophe that we lived. C'est que l'ONU est venue en Haïti après le tremblement de terre avec beaucoup d'autres ONG. So that was when the United Nations actually came to Haiti after the earthquake in 2010 with a lot of aid workers. L'ONU et donc toutes les ONG sont arrivées en février après le tremblement de terre. En novembre, c'est-à-dire 10 mois plus tard, on avait le choléra amené par des casques bleus. And these non-profits arrived and 10 months later, we had an outbreak of cholera. 10 000 morts. That was brought by the United Nations soldiers. 10 000 morts. And there were 10,000 deaths at that point. After, I'll add this, the 300,000 at least from the earthquake. Et l'ONU a pris le temps d'admettre que ça a été amené par les soldats de l'ONU. And it took the UN a very long time to admit that the cholera had been brought by the UN soldiers. Je trouve que ce qui se passe par rapport au corona, c'est très important qu'on en parle. So I mean, I know what's happening is very important to talk about the coronavirus. Mais c'est un peu injuste de ne pas parler du paludisme en Afrique. But it's maybe a little bit wrong to not also talk about what's happening with malaria in Africa. C'est injuste d'ignorer complètement les 6 millions de morts de la guerre du Congo au moment où l'on parle. And what about the 6 million people dead in the Congo at the point that we're speaking now? Et chacun avec nos téléphones portables, on finance cette guerre. And everybody with their telephone is able to film that war. Moi, ça me pousse à me poser la question sur pourquoi est-ce que c'est quand un virus attaque les grandes citadelles que sont les grands pays qu'on en parle autant.
So why is it that when a virus attacks the major cities in the world, we talk about it as much as we do? Yeah, these are significant statements. And how is the situation at the moment in Haiti? I know you have the City of Poetry Project and others. How is it? And when were you there last? And what do you hear? Alors, Franck, il dit absolument que ce que tu dis est choquant et important à dire. Et il voudrait savoir comment se passent les choses en Haïti en ce moment. Est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce que tu entends? Oh oui, régulièrement, chaque jour. Les Haïtiens qui sont à l'extérieur ont plus de nouvelles souvent que les Haïtiens à l'intérieur parce qu'ils surveillent chaque seconde. Yeah, so he said yes, of course he hears. And in fact, Haitians outside of Haiti know more about what's going on in Haiti often than Haitians who are in Haiti because they're paying attention and can see. C'est la même chose que je pourrais dire aussi par rapport à l'aide internationale. La majorité de l'aide internationale vient de la diaspora haïtienne aux États-Unis ou de la diaspora haïtienne un peu partout dans le monde. Yeah, and most of the help for Haiti is actually coming from the Haitian diaspora, wherever it happens to be in the United States in particular, but elsewhere in the world. La situation est compliquée parce que justement, toute cette diaspora qui pourrait aider Haïti, elle est malade. And so this complicates things quite a lot because the help that was coming from diasporic Haitians is not necessarily coming because some of them are sick and they're all in lockdown. Vous savez, la population haïtienne qui est aux États-Unis, et c'est souvent une population assez vieille parce qu'on fait partir nos parents quand on a fini de gagner un peu d'argent, on les fait venir vivre un peu de l'Occident. Yeah, and it's also true that the Haitian population in the United States is an older population because it's kind of a thing that Haitians do is when they get to be a certain age and have made a little bit of money, they go to live in the West. So, moi, je suis en contact direct avec des artistes qui, depuis l'épidémie, sont très actifs et ils vont partout dire de faire attention, ils vont partout donner les consignes de sécurité, un peu partout dans le pays. On met de l'argent ensemble, on collecte ensemble pour acheter des masques, pour donner aux gens du savon et tout ça. So Guy is in touch with a lot of artists and they've been very active. They've been very active as people who want to make sure that other people are take care of themselves, wash their hands, wear masks and so on. So they're going around Haiti to talk to other Haitians about it and they're putting together money in order to buy masks for people and bring the equipment that is needed. So it's the artists who are actually doing that. Mais vous allez entendre dans pas longtemps énormément de manifestations parce que hier déjà il y avait une grosse manifestation contre le gouvernement malgré le corona. Yeah, and at the same time there are a lot of demonstrations going on. Yesterday there was a very big demonstration against the government in spite of the fact that the virus is there. Il y a un gouvernement qui a complètement perdu confiance du côté de la population du fait de la corruption. So the population has lost faith in this government. Donc la situation est très difficile, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que c'est un pays qui vit une situation difficile depuis plusieurs années. So the situation is really tough. It's very difficult, but this is a country that's kind of used to living in difficulty. It's lived in difficulty for many, many years. J'ai plus peur pour ce qui va se passer après parce que on va tous s'occuper, bien sûr, des grands. Et ensuite, on va se dire, ah, ben, il y avait les petits qui étaient là. J'ai plus peur pour l'avenir. Yeah, and he's actually more fearful what is going to happen when this is over, however it's over, because the government will take care of the big people, the money people, and are going to forget the little people, and the little people are not going to take that sitting down. J'ai très peur aussi pour les plus précaires, les artistes. And he's also worried for people in the most precarious situations, which are the artists, of course. En Haïti, on entend parler beaucoup des artistes à l'extérieur, mais officiellement, ils n'existent pas. Yeah, so people talk about Haitian artists and know about Haitian artists outside of Haiti, but officially, they don't really have any status. They're not recognized.
Il n'y a aucun, il n'y a pas de sponsor privé, il n'y a pas de sponsor public, il n'y a pas une reconnaissance de l'État ni de l'État des artistes. Yeah, so contrary to a lot of other countries, there's no state sponsorship, but there's no private sponsorship either. Je suis en France parce que je cherche justement des résidences qui me permettent d'écrire. Je n'aurais pas pu trouver une résidence en Haïti, par exemple. So if Guy is in France right now, it's because he has to go elsewhere in order to write, because this is where there's sponsorship for the work that he wants to do and that he does do as a writer, as an artist. Je ne suis pas un de ceux qui peuvent se plaindre. Je suis assez chanceux. And so I can't really complain. I feel lucky. Mais pour vous dire, ça n'existe pas du tout, aucune aide, aucun fonds d'aide pour les artistes. Et depuis quelques années, on n'a plus de salle de spectacle. And so there's really no economic situation put aside, no help, no funds for artists. And since for several years now, there really hasn't been a theater space either. Ce qui fait qu'on a créé des choses formidables dans la rue, partout. Which means that we've done remarkable work in the streets, everywhere. Je dirige un festival où on fait des spectacles partout. Pour nous, le théâtre de rue n'existe pas. C'est le théâtre dans la rue qui existe et le théâtre partout qui existe. So and in the festival that I organize and that I run, we do theater in the street, but it's not street theater because the theater suddenly is up. The streets are the place where theater happens and happens everywhere. J'ai commencé à faire du théâtre, c'était avant les années 2000 et j'intervenais énormément dans toutes les rues partout. And when I began doing theater before 2000, I was doing theater in the streets a lot, in many different places in Haiti. Cimetières, dans les administrations publiques, on faisait des happenings partout. In cemeteries and even in public administration buildings where we were doing happenings. C'est quand je suis arrivé en France que j'ai compris que je faisais du théâtre contemporain. But it wasn't until he arrived in France that he realized he was doing contemporary theater. Et je suis le plus vieux, alors à 45 ans, je suis une sorte d'exemple de vieillesse pour beaucoup d'autres qui existent aujourd'hui et qui font du théâtre partout. And so while I'm 45 years old, I'm actually the old guy in this group of artists, many, many young artists who are still doing theater in Haiti everywhere. Il y a beaucoup d'initiatives de leur part. Il y a de plus en plus de festivals aussi pendant toute l'année. So there are a lot of initiatives and there are more and more festivals all year long in Haiti. Donc la situation aujourd'hui, c'est de se dire, puisqu'ils sont si précaires avec la situation économique que je vous ai décrite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yeah, so the question is now, what are they going to do in this precarious economic situation in which they find themselves? J'ai vu des initiatives artistiques à travers les réseaux sociaux. Ils sont très, très, partout de tous ces artistes-là. So there's a lot of social networking going on. So there's a lot of online work that's happening that's interesting. C'est très étonnant, mais les pays, justement, qu'on dit des pays du tiers-monde, ils sont des pays très modernes. Les gens utilisent beaucoup, beaucoup les outils électroniques. Yeah, and so what's interesting for Haiti and other so-called third world countries is they're actually very modern and they use all of the technology that we have to very good advantage as far as art is concerned. Parce que, mine de rien, pourquoi est-ce qu'on a moins de cas? Bon, on est très jeune aussi, c'est une population très jeune. And it's even though there's less money, there are less opportunities, a lot is going on because the population is also very young and very, very technology wise and savvy. C'est très intéressant par rapport à la démocratie parce que puisqu'on doit voter à 18 ans et la majorité de la population haïtienne a presque moins de 18 ans. This is an interesting also and thing to think about in terms of democracy because the majority population in Haiti right now is younger than 18 years old. Which is when the voting begins.
Donc, d'un côté, il y a cette jeunesse-là, magnifique, extraordinaire. Et puis, d'un autre côté, il y a toujours la même classe politique véreuse qui prend exemple, c'est ce qui se passe dans le monde. Voilà. So it's a, in a complicated situation with, on the one hand, this young group of magnificent people, so young, and then the political class, which is basically made up of old farts who base their work that they do on looking at what's happening in other countries where there are old farts. That's not exactly véreuse, mais it's close to it. Alors, ce qui est le plus terrible aujourd'hui en Haïti, c'est depuis quelques années, il y a énormément de violence dans les quartiers populaires avec des jeunes qui sont armés. What is very worrisome is the amount of violence that has taken over certain popular neighborhoods, certain lower economic neighborhoods in Haiti with armed bands of young people. On ne peut pas s'empêcher de poser la question de façon internationale. So one could ask this question about this situation in an international way. Comment un jeune homme d'un quartier pauvre peut se trouver avec une arme de 10 000 dollars? Yeah, this is the question. How is it that a young guy in a very poor neighborhood could find himself with a gun worth $10,000? Qui fabrique ces armes? Who makes these arms? Quand les Américains fabriquent les armes, les Russes fabriquent les armes, les Français fabriquent les armes, il faut bien qu'ils les vendent. The Americans make them, Russians make them, French make them, and they have to sell them. Et donc, on se retrouve dans un pays aujourd'hui surarmé qui est devenu très dangereux, contrairement à ce que ça a toujours été. So today, we find ourselves in Haiti, in a country that's overarmed, incredibly armed, and it's very contrary to the way things used to be. Si j'étais en Haïti, j'aurais plus peur d'être kidnappé aujourd'hui que d'avoir le corona. If I were in Haiti right now, I would be more afraid of being kidnapped than of getting the coronavirus. C'est avec tout ça qu'on doit faire un festival, c'est avec tout ça qu'on doit travailler, c'est avec tout ça qu'on travaille chaque jour. Yeah, and imagine, so these are all the things that I have to work with when I'm thinking about creating my festival, when I'm trying to do theater every day. Pardon à toi. Et c'est normal non plus qu'on ne peut pas laisser tomber ces jeunes, on doit aller dans ces quartiers pour faire du théâtre, pour essayer de... justement, à travers le théâtre, leur permet d'agir autrement. And because we don't want to let go of those young people in the poorer neighborhoods, we go to them and we do theater there because they have to be looked after. J'ai travaillé pendant plusieurs mois sur un projet qui a été financé par Open Society dans plusieurs quartiers. And I was financed for several months by the Open Society that allowed me to go and do theater in a number of different neighborhoods. C'est toujours à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, oui. Dans tous les quartiers de Port-au-Prince. Yeah. Et partout, on taguait sur le mur le poème tué. And everywhere, the graffiti that was showing up on the wall is the name called To Kill. Tué. Ouais. Et en écrivant le poème tué, eh bien, les chefs de gang posaient la question, pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi vous nous posez ces questions-là? And the gang leaders asked the question, who wrote, qui a écrit ce poème, Guy? Pourquoi? C'est moi, c'est juste une phrase, le poème que je demandais à des taggers d'écrire partout. Un poème qui s'appelle Tuer. Juste d'écrire le poème tué. Comme tu es. Tu es. Killed. Tu es comme killed, to kill. So yeah. Guy asked the graffiti artist to write on the walls poems that had to do with this theme of to kill. Parce que je suis obnubilé par la violence dans Port-au-Prince. J'ai vraiment demandé à plusieurs artistes de travailler comme ça. J'en ai aussi demandé à d'autres, j'ai demandé à d'autres artistes de faire des peintures, par exemple, avec des scènes de violence, des scènes de viol collectif, par exemple.
So he asked a lot of, he asked young people to think about composing these poems. He asked poets to think about composing the poems on the theme of To Kill. He also asked a graphic artist to design wall paintings and public art on this on theme of great violence, including gang rapes. Et ça, c'était vraiment partout dans tous les quartiers. J'ai demandé aussi à un très grand musicien de composer une musique contre la violence sur les enfants. And so those scenes were kind of everywhere in these poor neighborhoods. And he asked a very, very well-known musician to compose something against the violence against children. Parce que cette violence-là, j'ai l'impression qu'elle commence dans la famille. Elle est sociale, elle est politique, elle est internationale aussi. And that violence starts in the families, but it's also political violence that's imposed on people, and it's an international violence that's kind of out there. Pour expliquer la situation, c'est que on a eu la présence des soldats de l'ONU en Haïti de 2004 jusqu'à il y a pas longtemps. So to explain this a little bit more, you should know that there were United Nations soldiers in Haiti from 2004 until just a few months ago. Et au moment où ils sont partis, et aujourd'hui, on est envahi de gangs, de violence tout le temps. And it's since they left that there seems to be this invasion of gangs. Et c'est assez étonnant, parce que normalement, leur travail, c'était justement de désarmer tout le monde. Yeah. And so it's incredible. It's unbelievable because their work was supposedly to unarm and to pacify, and something has gone wrong. Pourquoi pourrir des jeunes pauvres, des jeunes qui ils sont en sandales, ils ont pas de quoi manger, mais ils ont des armes incroyables. Voilà la situation en fait de ce pays-là aujourd'hui. So again, how is it that the children who don't have enough to eat, that are wearing sandals, have these huge and hugely expensive guns. That's one of the really terrible situations in Haiti right now. Je suis désolé de parler de ça, mais pour moi, c'est ça la situation d'Haïti aujourd'hui. Et bien sûr, avec le virus, bien sûr, mais quand on va sur les réseaux sociaux à Port-au-Prince maintenant en Haïti, pour savoir ce qui se passe en Haïti, il y a tout le temps des scènes de violence et des gangs qui sont masqués, pas avec des masques chirurgicaux, mais avec des masques. Yeah, and so right now... What's so paradoxical, ironic perhaps, about all of this is when you go on social networks, you see people masked, but it's not people masked against the coronavirus, it's the masks that people are wearing who are in these gangs. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. He's sorry to have to talk about all of this, but it is what the situation is right now. C'est ça que j'ai envie de dire au monde. J'ai envie de dire au monde, à ceux qui fabriquent les armes, de les récupérer. Et que de laisser ce pays respirer un peu. Yeah, so what he really feels like, that he wants to say to the world, and especially to those countries that are arms manufacturers, is get away, get out, leave us alone, let us be tranquil for a little while. Et quant à ce qui se passe dans le monde, parce que je trouve que une des plus grandes catastrophes, parce que je ne m'intéresse pas que à mon pays, c'était aussi tous ces migrants à la porte de l'Europe et tous ces migrants à la porte du Mexique aussi. And you know, it's just not just Haiti that concerns me. I'm also thinking a lot about immigration, about refugees trying to get into Europe, trying to get into the United States. Voilà, on peut plus rester chez soi et imaginer avec ces petits problèmes que tout va aller bien. Yeah, you can't stay at home anymore and with the whatever little problems that you have and imagine you can solve them and that everything is going to be okay. C'est pour ça que j'ai composé ce texte il y a pas longtemps, me questionnant sur moi le corona m'a vite renvoyé à la question des frontières. So actually I've been writing something lately about borders because the coronavirus has made me think about the notion of borders. Parce que depuis les années 50, les Haïtiens quittent leur pays. Since the Haitians have been leaving Haiti since 1950. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir plus de
4 à 5 millions d'Haïtiens à l'extérieur pour 11 millions à l'intérieur de leur pays. So there are almost 4 to 5 million Haitians outside of Haiti versus the 11 million that are in Haiti right now. Quand on a ouvert les frontières, le Chili voulait recevoir des gens pour justement faire fonctionner ses usines et faire fonctionner son capitalisme. Au bout de juste quelques mois, 2 à 3 mois, il y avait 100 000 Haïtiens aux portes du Chili. Yeah, for an example, when Chile opened up its borders to bring in guest workers to work in the factories, there were between 4 and 5,000 Haitians applying for this kind of work within a very little time, a couple of months. C'est pas la situation des Haïtiens seulement aujourd'hui. Je connais tous ces pays qui partent, mais les Haïtiens, ça fait plus de 50 ans. Yeah, and it's not just the Haitian situation right now. A lot of countries are doing this kind of thing. A lot of people are doing this kind of thing. But it has been the situation of Haitians since the 50s. Et donc, en tant que peuple, moi, j'ai été élevé, je n'ai pas 50 ans, donc j'ai été élevé dans cette idée d'aller quelque part pour se sauver. So I was kind of raised in this notion that I would go somewhere, that one goes somewhere to save oneself. Et voilà un virus, une situation qui nous met devant un fait où on ne peut aller nulle part. And then here comes this virus that puts us in a situation where you can't go anywhere. Et au lieu de se mettre ensemble pour trouver des solutions, tout le monde est rentré dans son trou. And instead of getting together to try and face this and think about how we resolve it, everybody retreats to their own hole. Et après, l'un a condamné, a accusé l'autre. And then afterwards, after this is in the aftermath of this, everybody's going to be accusing everybody else of not doing anything. J'ai jamais vu, et l'humanité le sait, on ne pourra jamais réussir quoi que ce soit si on ne se met pas ensemble. It's not possible to do anything unless people get together. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la fermeture systématique de toutes les frontières. And yet what we're seeing now is the systematic closing of all of our borders. Et moi, en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse, c'est de critiquer ça. And so as an artist, I find that my role and what interests me is criticizing that closing. Pour moi, le masque doit être ridiculisé. We should be making fun of the mask. Pour moi, la distanciation sociale doit être mise en abîme par le théâtre. We have to be questioning and destabilizing this whole notion of social distancing. Je pense que c'est la première fois qu'on a parlé du mot de Brecht autant, la distanciation. Yeah, so suddenly Brecht becomes relevant in terms of social distancing, which isn't exactly what Brecht had in mind. Et c'est les artistes, on leur dit de se taire. And it seems that artists are being told to shut up as well. Je pense que c'est là qu'on devrait voir comment on est tout petit dans la chaîne de ce qui compose une société, voire le monde, les artistes. On est tout petit, on n'est rien. And that's when you begin to think maybe that you're very little in terms of what counts in the world, that we're maybe just a little nothing. Je vais reprendre. Je préfère dire qu'on nous prend pour rien. Ah, no, I mean, let me take it back. I mean, we are thought of as nothing. Normalement, not nothing. Voilà, OK. Je suis à 100% sûr qu'on n'a jamais demandé aux artistes comment ils souhaitent intervenir, alors qu'un artiste regarde les choses, un artiste analyse les choses, un artiste doit questionner les choses. So, he's almost positive that nobody ever asked the artist how we ought to think about these things, whereas artists nonetheless are human beings who analyze, who think, who interpret, who have an objective kind of take on things and are paying attention. Moi, je trouve ça complètement stupide que ce soit quelqu'un comme Trump qui ait quelque chose à me dire pour ne pas sortir
que moi, je n'ai pas des choses à lui dire, je me crois plus intelligent que lui quand même. And I find it absolutely ridiculous that I have to listen to somebody like Trump tell me what to do when I think I have things to tell Trump. I might even be more intelligent than he is. On est à court d'idées complètement là actuellement. And he finds that the world is kind of short of ideas, without ideas at this point. C'est pour ça que je parle vraiment de dictature acceptée, parce que à un moment il faut dire non à cette chose parce qu'on a une manière de réagir nous aussi. And that's why he likes to think about this. He does think about this as a kind of a dictatorship that we have accepted because no one is speaking out. C'est pour ça que j'ai refusé de faire des spectacles sur les réseaux, mais je préfère discuter avec vous que faire des spectacles que moi je fais du théâtre pour toucher les gens, moi. Yeah, that's why he's not doing any kind of theater work on social networks, because he does theater in order to touch people, to be physically present with people, to be engaged with people. C'est impossible dans le théâtre la distanciation physique. So this notion of physical distanciation or social distancing in the theater isn't possible. There's no theater with that. Et c'est sûr que cette chose-là nous remettra en question longtemps. And this kind of question, what we're experiencing right now with this social distancing, is going to really question our societies, question who we are, what we mean, for a very long time after this is over. Personne ne pourra plus éternuer dans une salle de spectacle sans être suspect. Nobody is going to be able to sneeze in a theater space anymore without being a suspect. Et donc, je pense qu'on est en train de vraiment nous transformer en une chose, mais face auquel on doit se battre. So if we're being transformed into this kind of sterile world, we have to fight against it. On n'est pas, il n'y a pas que les politiques qui doivent dire ce qu'on doit faire dans une société. Je pense que tous nous sommes à même de dire ce qu'on doit faire dans une société. Yeah, it's comment not on doit répondre à une chose pareille. It's not just the politicians who should be telling us what to do or what we might do or thinking about what we should be doing. There, other people should be also asked to suggest what we might do next. Moi, je suis très scandalisé par ce qui se passe. Je ne sais pas pour vous. Et de plus en plus, j'espère que beaucoup de gens vont être scandalisés pareil, qu'on leur ait rien demandé. So he is, as he said earlier on, scandalized by all of this, and he hopes that other people will be as scandalized as he is, that no one is asking opinions from other people, but that we're listening entirely about of the opinions of the political class. Thank you, Guy, really for sharing your thoughts and what is on your mind. This is very important. Oui, merci d'avoir partagé donc tes pensées et ce que tu penses, ce qui est très important. And this is a place, of course, to talk about this, and this is also what we want to hear. Et le programme de Franck, ce programme, cet échange, c'est exactement le moment où on voudrait parler de ce genre de choses. Absolument. Ah non, c'est super. As a theater artist, when you did your work in the streets of Port-au-Prince in Haiti, what worked? Oui, alors, Franck, maintenant pose la question de ce qui a marché quand tu avais fait ton travail, quand tu étais active dans les rues de Haïti. Qu'est-ce qui a marché le plus? C'était un tableau grand de 2 mètres de haut. 3 mètres de haut, 3 mètres d'ouverture, où il y avait une simulation de viol collectif. It actually was this huge tableau, almost 2 meters by 2 meters, of a gang rape. A painting. A painting. Je l'avais fait comme une grosse affiche. He did it as though it were a huge poster. Et j'avais fait exprès de le placer dans des endroits très visités. And très populaires. He put it in a lot of places. So there was not just one. Il y avait plusieurs
plusieurs affiches, n'est-ce pas, de la même chose, Guy? Il y avait plusieurs affiches, mais il y avait plusieurs affiches sur plusieurs violences. Mais ce tableau-là a vraiment choqué. So we put it in a lot of different places where it could be seen and where there were a lot of people. And it was very shocking. C'est très étrange que ce soit le tableau qui choque alors que il y a beaucoup de viols collectifs dans la société haïtienne actuellement. And it's strange that it was such a shocking poster in the sense that everyone knows that there's a lot of gang raping that is going on right now in Haiti. But it shocked Haitians. Et le premier ministre a appelé pour dire qu'il faut enlever le tableau. And the prime minister got in touch with him and said, you've got to get rid of this poster. Parce que c'était justement sur sa route quand il va travailler. Because it was on his road in the way he got himself to work. Moi, je trouve que c'est le travail de l'art. Pourquoi est-ce qu'une peinture qui vraiment qui n'est pas vivante, quoi, ça peut encore choquer des gens, alors qu'on a utilisé cette peinture pour leur dire c'est pas possible qu'il y ait cette violence dans le pays. Yeah, and he finds it very surprising that people found this shocking without understanding that the purpose of the shock was to get people to talk about it. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on nous laisse de la place, nous, en tant qu'artistes, pour qu'on réfléchisse sur ce qui se passe là actuellement. Yep. Moi, je trouve qu'on vit vraiment dans une dictature de la parole et du dictature du geste. On n'a pas le droit de parler, on est fermé, je me sens étouffé par ce qui se passe. So it was part of what he really believes in, which is making it possible for people to talk, in fact, making it impossible for people not to talk. And the way that people are being forced to shut up right now is actually suffocating him, he feels. Je suis en train d'écrire, bien sûr, parce que j'écris toujours, j'écris régulièrement. He's writing, but he's able to write. He can't not write. J'ai fini une pièce et puis je suis en train de finir une autre très longue, mais c'est des choses que j'écrivais déjà, en fait. So he's finished one play and he's finishing up plays that he started earlier that he's completing. Le fait d'être plongé dans mes écrits, ça m'empêche d'être moins énervé, mais dès que je vais me promener et que je vois un gendarme, je me sens vraiment, enfin, je ne comprends pas. Ça, c'est du délire pour moi. So when he's plunged into his writing, he does okay. He can forget about things, but when he goes out for a walk and he sees a policeman, it gets him all riled up again, and he asks himself why, what's going on, what's this all about? Oui. And so how does your day look like? When you get up, how do you write, and what do you do? For how many weeks have you been in? Oui, alors, quarantine. Comment est-ce que tu structures ta journée? Tu es là depuis combien de temps? Enfin, qu'est-ce que tu fais de ton temps, etc. Alors, je travaille la nuit. I work at night. Donc, je dors assez tôt. I go to bed pretty early. Ensuite, je me lève vers 3 heures ou 4 heures, j'écris. And then he gets up around 3 o'clock or 4 o'clock in the morning, and that's when he writes. Marrant, j'ai lu un texte, une phrase de Karen Blixen, citée par Murakami, qui disait « J'écris un peu toujours, sans espoir, sans désespoir, mais j'écris. » So he's citing Karen Blixen and saying that I write always. I write not necessarily with hope, sometimes in despair, but I write nonetheless, I write. Et le matin, je me lève et on va marcher. And I get up in the morning and then I go and I walk. Et puis après, on revient prendre le petit déjeuner. And then I come back and I eat breakfast. Ensuite, on travaille beaucoup ici parce qu'il y a le travail de quatre chemins, le festival que je dirige, il faut continuer à chercher les sponsors. So and then he goes. Then he starts doing his administrative work that has to do with this festival called the Festival of the
four ways of the quatre chemins because he's looking for sponsors for it. Je l'ai pour chasse pendant jusque dans l'après-midi. Yeah, so he looks for sponsors until late in the afternoon. Je leur demande est-ce qu'ils vont maintenir leur aide et j'ai reçu pas mal de mauvaises nouvelles, mais j'ai aussi reçu de bonnes nouvelles. So he gets good news and he gets bad news, but he's on the phone with a lot of people or on, I suppose, on email with a lot of people, maybe even on Zoom. But tu les zooms, toi? Ouais. Zooming people as well, just to, and the news has not been great, but there have been some good surprises. J'ai beaucoup de chance parce que je suis en résidence aussi avec mon ami. And he's also lucky because he has a friend with him. During this residence. Et on travaille beaucoup ensemble aussi, donc elle aussi, elle continue à travailler sur le spectacle que j'avais en cours. And they can work together, so they do some rehearsing together, and she can work on what they had been doing before they went to the île where they are on the island where they are in this residency. J'avais un livre, mon livre qui venait de sortir chez Gallimard, Les cinq fois où j'ai vu mon père. And he also has a book that just came out with Gallimard called The Five Times That I Saw My Father. Mon père qui vit d'ailleurs aux États-Unis. My father who actually does live in the United States still. Et j'avais beaucoup de rencontres autour de ce livre qui sont annulées. And he had hoped what he thought he was going to be doing was promoting this book and meeting a lot of people and talking about this book about the five times in his life when he saw his father, but all of that has been canceled. Et après, je continue, je dors et je recommence à écrire. So then after all of this, he goes to bed and then he gets up and he starts to write again. Je suis en train de vous décrire comment je vis régulièrement quand je suis en France. That's kind of his regular day. That's his regular structure. Et j'écris surtout le soir. So thank you for sharing. Do you feel the world cares about Haitian theater? Do you have strong connections to countries, or do you feel there is attention is being paid to that? Country was the great also history, the first revolution perhaps in the world admired, you know, in France or whatever, but New York City once said it was, you know, very felt close to that what happened. But do you feel at the moment as it is isolated, or do you feel there are strong connections? Oui, alors tu comprends la question aussi. Comment est-ce que tu ressens le monde par rapport à Haïti et puis le théâtre haïtien? Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est présent? Est-ce que vous vous sentez soutenu? J'ai eu la chance d'avoir un projet, justement, comme je vous disais, avec le Open Society, et puis j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. So he's certainly been supported by the Open Society. They've been great. And he was recently in the United States. Et puis je suis venu aussi à CUNY où il y avait Judith aussi. And then he had one of his plays done at CUNY at the festival that we did on Caribbean Theater. Yeah, and also after the earthquake, yeah, right? In 10 years ago, you came right away, like 5-6 weeks. Yeah. We invited you, yeah. J'avais vu Kanizaskal. And it's when he met also Kenisa Shaw, whom he really appreciated. Mm. Yeah. Je trouve que les États-Unis ont toujours été très loin, très éloignés d'Haïti, alors qu'on a quand même une grande communauté aux États-Unis. So he finds that the United States is actually quite far away from Haiti, oddly, because there's a huge Haitian community here. Je ne comprends pas que Noam Chomsky connaît plus Haïti que Obama, par exemple. And he finds it odd that someone like Noam Chomsky knows Haiti better than Obama did or does. J'étais très déçu du discours de Berlin de Obama où il parlait des Noirs et où il n'y avait jamais cité le nom d'Haïti. And for example, in the Berlin speech of Obama's, when he talked about the situation of African-descended people, he never mentioned Haiti.
Il y a deux grandes révolutions très importantes, celle des États-Unis et celle d'Haïti. And as far as he's concerned, there are two great revolutions, the American Revolution and the Haitian Revolution. Et dans la révolution américaine, à Savannah, des Haïtiens ont participé. And in fact, for the American Revolution, there was a great participation of Haitians working out of Savannah. Combien d'Américains savent ça? How many Americans know that? Et moi, j'attendais que justement que ce soit le président noir américain qui parle d'Haïti, qui soit plus proche d'Haïti. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense à ça. Et il a attendu que ce soit Colin Powell est plus proche d'Haïti que Obama. So he always thought that Obama should have known that, should have known about the participation of Haitians in Savannah in the American Revolution. He never understood why he's been thinking about it ever since. And it's strange that it's actually Colin Powell who knows more about Haiti than Obama ever did. Il y a beaucoup de choses à dire de ce pays par rapport aux États-Unis. Et vous imaginez que je parle de après la révolution haïtienne, les Haïtiens ont doublé la population de la Louisiane. Yeah. And also another thing that's not necessarily very well known is that after the Haitian Revolution, the immigrants from Haiti to Louisiana doubled the population in Louisiana. There's that big a group of diasporic Haitians now absorbed. I'm sorry, I'm editorializing. Et à l'époque, ces Noirs-là, qui étaient quand même, qui venaient de la colonie la plus importante, ben, ils connaissaient la musique, ils connaissaient l'opéra, et toute l'influence musicale qu'il y a eu en Louisiane, c'est eux. Yeah. So the great influence, the musical influence, the theatrical influence in Louisiana and New Orleans at the time was all coming from Haitian artists, in fact. At the beginning of the 19th century, right? So after the Haitian Revolution in 1804. Donc c'est un pays qui quand même a eu une vraie relation avec ce pays continental, mais qu'on met tout le temps de côté. So it's a country that has had an enormous exchange with this colossal country, which is ours next door, and yet it's not known very much. It's neglected. Parce que c'est quand même pas loin et une histoire vraiment révolutionnaire très proche pour qu'on soit pour que même je trouve qu'on soit aussi éloigné en fait. So it's d'un point de vue intellectuel. Yeah, it's very odd that we should be as far away from each other as we are intellectually, given that we are actually quite close. Yeah. You know, being far and close, and we did get a question from one of our listeners, actually. Johannes Behringer wrote if we could ask Guy Regis about the physical theater of touch, what he talks about. How can you do it when there are rules against a touching? So where it's being controlled. How could you even imagine a theater of touch? Bah alors, donc il y a une question qui vient de quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait imaginer un théâtre de touche, pas de toucher, dans un moment où on ne pourrait pas se toucher. Ah, je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'on a énormément de... Quand on crée, on cherche plusieurs façons de faire. He doesn't know. I mean, it's hard to know, but when you're creating, you're also looking for ways of doing things. Je pourrais mieux vous répondre. J'ai lu hier quelqu'un qui disait, quand on ne sait pas quoi répondre, on peut dire, je ne sais pas encore. Yeah. So maybe the answer is better. This is from an essay that he read yesterday. I don't know yet. Mm-hmm. Je pourrais même vous parler de, je pourrais vous donner la réponse de Artaud. Enfin, on peut imaginer un théâtre métaphysique, un théâtre qui va au-delà du physique aussi. And maybe we should go back to Artaud and Antonin Artaud and actually think about a metaphysical theater, that is a theater that goes beyond the physical. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment matière à travailler et on sera obligé de travailler sur cette matière-là. And in any case, it's going to be necessary to work on these kinds of questions. Je pense que c'est des questions qui vont vite arriver. Yeah, these questions are coming at us in a
in a hurry. So what are you reading at the moment, or what are you listening to? What do you, how do you? Oui, alors qu'est-ce que, donc c'est une question de comment tu te nourris, quelle lecture, quelle musique? Ah, je lis actuellement Murakami. So he's reading Murakami. Ben, comme il vient d'une terre de tremblement de terre comme moi, ça m'intéresse de lire. Yeah, so he's also an earthquake writer. He comes from a country of earthquakes, so that interests him. Je me nourris de beaucoup de films quand j'écris. And when he actually writes, he watches a lot of films. It nourishes him too. Je regarde énormément de films, hein. Tous les films possibles, documentaires, fiction. Documentaries, fiction films, there are all kinds of different films that are interesting. Je suis capable de regarder 10 films par jour, moi. He can watch 10 films a day. Donc, je me nourris énormément de ces images. Je regarde énormément Arte aussi. And he also really likes the television network Arte. Je me nourris de radio beaucoup. And also radio. Parce que la radio, ça permet justement d'arrêter les images et de coller ses yeux sur les écrans. So the good thing about radio is that he stops being kind of inundated with images and being kind of stuck always looking at a screen. Et parmi les choses les plus marquantes que j'ai vues il y a pas longtemps, c'est un travail magnifique réalisé sur le Mexique, sur la drogue dans le monde entier, et donc il y a une grande partie sur le Mexique. C'était marrant de voir que une des premières baronnes de la drogue, c'était une femme au Mexique. Mais c'était un film ou c'était un film ou qu'est-ce c'était que c'est un film qui est encore sur Arte. One of the things that he just looked at on Arte that he liked a lot was a film about drug trafficking. Dans le monde. Across the world, and the leader of this drug cartel was a woman. Et c'est incroyable parce que très souvent on se dit pas qu'il y avait des femmes très très puissantes comme ça dans ces histoires là. And it's pretty incredible because one rarely hears stories about women being powerful in those particular kinds of enterprises. Je me nourris de ça aussi parce que je termine une pièce très longue. And this has to do with the play that I'm, this very long play that I'm working on right now. Qui doit durer 6 heures. It'll be a 6-hour production probably. Ça s'appelle Quel dernier grand conflit pour satisfaire la haine entre les hommes. And the title will be something like What will be the latest, the most recent terrible conflict in order to satisfy hate among men. Incroyable, yes, thank you, thank you. Je travaille sur tous les conflits. So I'm working on all kinds of different sorts of conflicts. Conflits individuels, conflits dans la famille, conflits de la guerre, tous les conflits. Et war, c'est des... familial, oui, oui, pardon, individual, oui. Individuel, la guerre, les régions, une mère qui dit à son fils tu es un enfant du viol, sur le viol, enfin vraiment tous les conflits. The situation of mothers who tell their children that their children were born of rape, all kinds of different conflicts, difficult things. Incredible. So Guy, you also ran, or you were director of a national theater school in Haiti, is that right? Oui, alors à un certain moment donné, tu as dirigé une école de théâtre. Oui, oui, absolument. What, since we're also coming to an end, and again, thank you for your such an honest talk and sharing your emotions and your feelings and also your analysis. So, what do you tell young students? I know we have many student listeners around the world. I just got today a mail that said in Hungary, you know, people find it as, you know, so important to hear the voices from around. But so what would you tell students, young artists at the moment? What should they do? Is that what time do we live in? What is demanded of them? And how could they find meaning? Qu'est-ce que tu dis à un jeune maintenant, un jeune artiste? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Comment faire en sorte qu'il y a de la...
le sentiment d'exister et de compter maintenant. De ne jamais être d'accord. To never agree. Juste de fait ne pas être d'accord. To live kind of in a state of opposition. Bien sûr, je dirais à un jeune aussi de lire. And to read. D'être passionné par ce qu'il fait. To be passionate by what they do. De travailler beaucoup, parce que justement, quand on travaille beaucoup, c'est toujours pour avoir raison, parce qu'on a tout essayé. To work a lot, because you have to work a lot in order to know what you're doing. Mais quand on est jeune, c'est vraiment le moment de ne pas être d'accord. But really, when you're a young person, it's the moment to not be in agreement, to situate yourself as somebody who's in opposition. On va vous dire très rapidement, ouais, mais vous ne pouvez pas rester dans l'opposition. Oui, mais on a besoin de l'opposition. And the people are going to say you shouldn't be in this oppositional position, but we need that more than anything else. On en a besoin parce que sinon on est tous bouillons, sinon on accepte tout. Otherwise, we're all part of the same mess pot and we accept everything. J'avais un prof en linguistique qui était quelqu'un de très connu, magnifique, qui avait travaillé sur le non-sens, un très, très grand linguiste en France. And I once had a professor who was a really great specialist, and he worked, a linguistic professor, and he worked on the question of nonsense. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que, bon, vous êtes d'accord avec beaucoup de linguistes, et pourquoi à un moment vous aviez voulu travailler sur le non-sens? And so you were part of a sort of mainstream linguistic movement, someone said to him, but then all of a sudden you wanted to work on the question of nonsense or the lack of sense. Il s'appelle Ducrot. And his name was Ducrot. Et il disait, juste parce que je dois manger moi aussi, donc je dois dire non, ce qu'il a dit, c'est pas bien, et je vais trouver des arguments pour le prouver. And he said, because somehow I also need to eat, and I want to say no, and I have to find arguments to support that. Et en fait, finalement, ben, c'est devenu quand même un linguiste très connu parce que le non-sens a du sens. And finally, he became really quite well known because nonsense actually makes sense. Donc le non, c'est très important. So no is very important. No, I know. Thank you so much. And even if he says not to be d'accord, je suis d'accord avec lui. I agree to that. And Guy, thank you so much for joining us at the Siegel again. You have come to us. French Cultural Services also helped us to bring you over for our Festival of Plays from the Caribbean. Actually, the very first time ever a festival happened of plays from the Caribbean, which we did together. Judith helped us, quite a remarkable work. And we will hear also from other writers from the festival. So Guy, really, thank you for sharing. If people are listening, people from the theater world do support his work and his festival and go and travel there. And we all will be curious to hear your new work. Judith, thank you for that most brilliant translation you gave us. And you have also supported him and many, many others over decades. It makes such a great contribution to make our world bigger. And we are also part of the Penn World Voices Festival, which was created by Esther Allen and Salman Rushdie and Paul Auster and others, because they felt there was a tunnel vision in America. 95% of all books are English or American or British English. 5% is French, and German is half of them. We don't hear the voices from the world. It would be unimaginable in music. We love world music, it's significant, but we really don't listen, and we have to listen. And if we're listening to Guy today, how carefully we really should listen. What a devastating account he gave to us, and that he is still working and writing, even if there's no hope. And I think his work is significant and important on the streets in Port-au-Prince. So thank you for sharing, Guy. And to our audience also, thank you for listening. I know how busy these days are, even so we are all confined. There are so many things to do, or we keep ourselves and our brains busy, but it's important to also listen to the experience of others. How we experience it is very different from others.
lucky us of who have families and friends we are with. Many people are alone, they're without partners, people who are in devastating circumstances, who lost their work and their job and don't have anywhere to go. As we heard, 500,000 people in India, New Delhi, try to get out of the city and without anywhere to go, prepare to march 1,000 kilometers to go to places. So in Chile, where a failed revolution came to a halt with the coronavirus, and also the account from Haiti. So a lot is happening of the world. We do think the world is changed. The world already has changed, and revolution happens when things have already changed. So we will see what will come. Maybe it's going to take 100 years until things completely change, as it should be better. And I do believe, as we all, in the social progress, but this certainly is a game changer. I hope you will be with us tomorrow. We have the great Jalila Bakar, most probably the most significant voice from the Arab countries as a writer. She's from Tunisia. She has also been at the Siegel. We published her. Then the great Peter Sellers, a great American director, will join us. And we are very, very proud of that. Oscar Eustace, who runs the Public Theater, will tell us a bit about what it means to do that. And he will be together with Tony Torn, who runs out of his family house from his father, Rip Torn, the late Rip Torn, who we all miss, a 20, 30 seat, a great theater in his home. So we have both of them to get a snapshot of the New York scene. So thank you all for listening, Guy. Thank you again. And I hope you will be writing good tonight. And also, do should know, we are listening, we are supporting you, and we are with you, and your work is significant and important. So thank you all, and tune in tomorrow. Stay safe, and yes, tune in. Bye-bye. Thanks, Ben. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Au revoir.